Can you please give me the... You got it. Just wait, Mr. Duke is coming. I actually recommend this.
so proud of my top waiters. They did a wonderful job. They had Amina, Lisa, Sarah, everybody. Mais pourquoi ça? Je m'appelle Fatima, mon projet concerne la fertilisation des sols primaires croissants de la France. Donc ma question est, entre l'engrais synthétique, le moringa, l'efera, le fédervia, albida et le compost, de quelle façon les sols croissants rapides de la plante d'origine? Pourquoi j'ai choisi ce projet? Je pense que ce projet est important parce que ça aide les agriculteurs qui représentent la majorité de la population sénégalaise. Donc je pensais que le fait de répondre à leurs besoins pourrait booster l'économie sénégalaise. Donc, et mon hypothèse était que le acacia albida serait l'engrais qui va le plus favoriser la croissance de la plante d'arachide. Donc, j'ai utilisé 27 tasses en plastique, 27 graines d'arachide de même série. La terre propre à la cultivation sans engrais, de l'engrais synthétique NPK, de l'engrais des feuilles de moringa, des feuilles de fédervia et le compost. J'ai aussi utilisé un paillage sur une feuille qui est graduée. Donc concernant les méthodes, après avoir broyé les feuilles du moringa et du fédervia, j'ai utilisé les tasses en plastique. J'ai fait un peu pour pouvoir laisser l'air passer. Ensuite j'ai mis la terre et les graines. J'ai arrosé ça. Et ensuite après celle, j'ai utilisé les engrais. Et après ici j'ai mis la taille des plantes engraissées. Et en dehors, j'ai utilisé des plantes qui n'avaient pas d'ordre pour pouvoir connaître la croissance. Ça avait vraiment une croissance ou pas. Et à la fin du projet, j'ai pu constater que c'était le moringa qui a vraiment porté la croissance de la plante d'arachide. Alors qu'au début, mon hypothèse, j'avais comme hypothèse que c'était l'acacia albida. Et j'étais aussi un peu choquée parce qu'on m'avait dit que le moringa n'était pas utilisé en tant qu'engrais. On sait tous que le moringa n'est pas en moringa. Et utilisé pour les soins de santé. Et maintenant, ça m'a un peu choqué en tant qu'engrais. Et c'était aussi très intéressant les résultats. Donc j'ai cherché à savoir pourquoi le moringa et pourquoi pas les autres. Déjà, en voyant la composition du moringa, on peut voir pourquoi ça a vraiment boosté la croissance des plantes d'arachide. Et concernant la nutrition, j'ai rencontré beaucoup de problèmes, comme les insectes qui mangeaient les feuilles des plantes. Et le temps, c'est d'écrire que je n'ai pas assez de temps pour pouvoir faire tout le projet. Donc la prochaine fois, j'utiliserai peut-être des insecticides, même si ça peut impacter la croissance des plantes. Merci. A very interesting project, inshallah, and I wish you good luck for this project. So next up, we have Aja Awacha. She is in 10th grade. Oh, she's in 9th grade. So Aja, can you explain us your project? Yes, you can move it. Le junior fruit, le junior fruit ou le soda. Donc, ce projet, on a fait ce projet pour déterminer la quantité de sucre qu'il y a dans le quantité de jus et si le contenu nutritionnel est correct ou pas, ou bien s'il y a du sucre ajouté. Donc, avant de faire ce projet, on a acheté 3 types de jus, le coca, le jus de fruit pressé et le jus de fruit. Donc pour faire ce projet, on a besoin d'un pot de 180 ml que j'ai choisi, d'un jus de fruit pressé et d'un jus de fruit. Donc on commence par prendre le jus de fruit. On va verser une quantité prédéterminée de 180 ml. On va bouillir ce jus et tout l'eau va s'évaporer. Donc, tout ce qui restera sera du sucre. Donc, on répare avec le jus de fruit pressé et le soda. Oui. Et la question de recherche, c'est qu'il est communément connu que le soda contient une grande quantité de sucre. Mais combien de sucre y a-t-il dans le jus de fruit? Est-il important que ce soit fraîchement pressé ou naturel? Quel est le but de ces étiquettes? Et on va parler aussi du sucre ajouté. Donc, après avoir fait ce projet, j'ai remarqué que le contenu nutritionnel n'est pas
pas correct et qu'il y a du filtre ajouté. Donc ce qui veut dire que le contenu qui est derrière le jeu est parfois fausse et qu'il ajoute du filtre. Et ce qui est très dangereux pour la santé, parce que la plupart des diabétiques utilisent du jus de fruits sans sucre. Ils pensent qu'il n'y a pas de sucre, mais malheureusement il y a du sucre et ça peut aggraver leur situation. Merci. Well, thank you very much for your presentation and good luck. So we have Adam Lok, she's in eighth grade. So Adam, what's your project about? C'est mon projet, c'est à moi. Ça fait partie par exemple de la café, des fois de la culture, c'est là. Par exemple, j'ai une objectif comme ça. Le but de mon projet, il est déterminé par exemple si la prise de la capillaire fait une vitesse de frappe. Et pour faire la vitesse de frappe, on a besoin d'une application qui s'appelle l'Amptime. Après, mon hypothèse, c'est à propos. C'est à propos, par exemple, de la vitesse de frappe. Et pas de la bien parce que vous ne pas de la vitesse. Ça fait aussi. Si vous prenez la différence entre la caféine et si vous ne prenez pas la caféine, la caféine. Parce que la caféine est une substance dangereuse et qu'il y a des effets secondaires pour tout produit alimentaire. La caféine agit surtout comme stimulant du système nerveux central et du système cardiovasculaire, diminuant temporairement la somnolence et le temps des réactions et l'augmentation de l'attention. Des boissons très populaires contiennent de la caféine, comme genre Red Bull, jus comme Joker, mais ça ne contient pas aussi de caféine à part les boissons énergétiques. Et pour mon résumé, je devais prendre 6 personnes qui boivent, 8 personnes qui vont boire du café chaque jour et 8 personnes qui vont boire un café. Maintenant, ils doivent, pour les buts de combien de personnes qui boivent du café chaque jour, ils doivent taper l'application qui s'appelle RapidTime. Ils doivent taper des lettres différentes dans le papier. Ils se rendent seulement, c'est bon. Maintenant, après avoir fait ça, je vais regarder la vitesse de frappe pour chacun. Et je vais, chaque personne, pour les autres personnes qui n'ont pas du café, c'est dommage pour eux parce qu'ils voudra boire du café ce jour-là. Ils vont taper, boire du café, ils vont taper pour voir la différence. Mais dans ce cas, j'ai vu beaucoup de différence parce qu'ils avaient des effets secondaires très pathétiques. Comme genre mal à la tête, mal à la gorge, somnolence, les tournis avec froid, etc. Et par exemple, j'ai vu des personnes qui se sont élevées et qui ont dormi. Je pense aussi que la caféine fait beaucoup. Thank you, Alan. And good luck for the science fair. 12th grade students, I'm so proud of you this year. So, Sara, can you please present to us your project? What I have as project is the importance of vitamin B1 in rice. So, I tested my experiment on pigeons, dogs, and looked for which one is healthier. Is white rice healthier than brown rice, or is brown rice healthier than white rice? So what I found is when white rice is very bad for us, it's very bad for all human beings, especially in Senegal, because we eat so much steak. And we eat it basically every three meals. So what I think is that we should stop eating the white rice and start eating the brown rice. So what I found as a experiment is that my hypothesis is I noticed that white rice is eaten more in Senegal and that people who eat it have fatigue, they feel sick, they feel ill, and they become a little bit crazy, which is a beriberi, which is defined as a beriberi. Beriberi is a sickness that makes us fatigued and very tired, and we could not even, we have irritability, and what I also think is that I noticed that the white rice is polished. White rice is
On the brown rice, I would like to show you. The brown rice is good for the health because for 8 days I ate the brown rice and I found that it is progressing in health. While this bird started having a sequence behind it, started eating its own feathers and I encourage everyone to eat brown rice and leave white rice. Thank you very much. Thank you very, very, very much, Sara, for this project. I know that Michael and Tom Fair is having a serious competition, but thank you for this. It was very interesting. I learned a lot. And good luck for this project. Good luck for the others also because they have serious competition. But good luck. Thank you. Okay, so now we have Alina Kijo. Alina Kijo, can you please present to us your project? Hi, my name is Alina Tuku and I'm in 12th grade. So I'm here today to present you my project, which is how to reduce the excessive amount of salt in your food. So we have three options here, which are sugar, water, and charcoal. You might think that charcoal is not hydrated, but charcoal is really hydrated. It's used to filter some water. So the material I use was activated charcoal, salt, water, soup, and 3 persons in a timer. When I tested my hypothesis, the sugar gave me 2 different tastes for all the 3 persons. That's what they say. And the water was tasted, and the charcoal worked effectively. So the purpose of this project was to help the homeless and those who cook to solve problems in the kitchen without losing anything. A lot of persons that I have questions told me that they use sugar or water, but actually that's not working at all. The charcoal works effectively. So that was what my project was about. And thank you. A very interesting project also. I'm so proud of my third grader, just like I said with Sara Ali. Good luck. So here we have Wanya. Wanya C, can you please explain to us your project? Okay, donc mon projet c'est par rapport à l'alimentation. Donc pour moi l'alimentation c'est quelque chose d'important. Donc en faire un projet c'est quelque chose qui me tenait un peu à cœur. Une alimentation c'est quelque chose d'important quand on va chez le médecin. C'est tout dont je vais parler en premier. Et en ce moment, les 2 choses importantes qu'il y a dans notre organisme, c'est le cerveau et la manière dont il fonctionne. Donc aujourd'hui, je voulais rallier ces 2 points et ça m'a donné mon projet que je vais vous présenter. Ok, thank you for your mini presentation and good luck for the science fair. Thank you.